Mais pas la vinn fanyen. Mais ou konn sa k pase note ça. Note ça ou nan pays a longtemps on connaît. Ou connaît truc là, depuis que famille la va la sorti comme ça, c'est que gon bagay. Gon dou ton côté, gon dou ton côté. Donc il commence à déplacer à faire back. Gen problème. Non mais là, mais là écoutez et entre dans tout donc pas rien moun la cap pas moun la pour garer. Ah. OK. La va la sans pouvoir actuellement là. Est-ce que li gon dans le pays, la France a une responsabilité pour résoudre question d'insécurité dans le pays. C'est un premier rôle okay? CPA et peut-être ouais. Ça le monte même. C'est un premier rôle CPA, je ne sais pas avec Gaïkoni, qui c'est sécurité et élection. Claire. Donc la France n'a pas venu à plein là. La France là pour la sécurité dans le pays parce que l'île dans le pouvoir, l'île dans le CP, elle dit, je dis à la France a une responsabilité pour la sécurité dans le pays. Avec tout le parti politique qui composait CP, CPPA. En tout cas, bon. Bonsoir Louko Désir, bonsoir Samuel Jean-Baptiste, bonsoir Isaïe César. Et nous avons salué Louko. Louko Fan dit nous, vraiment, nous connaissons pour une carrefour. Isaïe. Oui, quoi. Et justement, nous connaissons vraiment, nous saluons tout le monde qui est dans l'international là, mais Fan dit que Isaïe César, Louko Désir, commune carrefour. Et à partir de l'aine qu'on a garité qui était comme une Kafoua, Kafou a traversé des moments hyper difficiles, côté que bandits assistants fait ravage dans la commune, et bien chef et Makatu qui a fonctionné au niveau sous ce qu'on sol, tout dans les Lamonio, qui est des nègres qui est installé dans la commune, mais vraiment qui a pris l'ordre dans mes chefs là. Nous connaissons ensemble des sous-ensembles, puisque cet ensemble, ce chef Tibois, nous connaissons qui c'est lui-même et le général Chris là, il estimait que chaque lèvre passe son l'ordre avec le petit chef ça et le mandat ensemble qui c'est Makatu qui va recevoir l'ordre. Eh bien, ailleurs, kidnapping, t'as l'essayer fait en la commune pendant que passé l'ordre lui pas attendait, eh bien, il faut dire que le chef a été placé en personne pour aller exécuter monsieur, côté n'a pas ensemble avec moi, pour dire en pile nec victime. Au niveau Bouchette 97, qui Esaïe César qui bien connaît côté la piscine, qui est de nègre qui victime là, gagné des 200 sportifs de Kafoua. Dans le moment où on a parlé, on ne pas connaît l'ennemi de commune Kafoua, est-ce que vous êtes à lever yo? Les fonds dit, en pile nègre tombé en de commune Kafoua, puisque chef là, calmé l'autre dans des autres. Non, la bonne question, est-ce que tu as un nouveau chef là? Mais c'est puisque commune Kafoua livré à lui-même. Oui. Commune Kafoua livré à lui-même. Est-ce que tu as mettre l'autre chef? Nous voulons qu'on connaisse, un fait certain, oui. C'est que commune Kafoua, vraiment, c'est bandit cap dirigeant. Et pas oublier qu'un des rappels, Isaïe César Louko Désir, qui est 9 matchs longs, qui perdu au niveau côté taille 16, qui était ZAM, qui était appartenu avec Omega, qui perdu. Mais dans le moment que n'a pas parlé là, on dit que. Vraiment, on lavage qui fait hier, côté en pile monde, qu'on est zone Sanson, zone de cimetière, dans zone Bouchette 97 et 95, 93, toute zone Sanson, c'est zone de nos doigts. Dans le moment qu'on a parlé là, Isaïe, c'est là, puisque nous n'avons pas qu'à circuler, puisque commune Kafou livré chaque zone de Jésus à lui-même. On dit que il y a 9 matchs longs qui t'a disparaître. Qui donc c'est non Omega match long pour Omega et comment fait disparaître là yo pat nan Omega jusque gagne un policier qui est le boutique nené qui était en altercation avec un chauffeur et vraiment monsieur était en train dans la calle au niveau de taille il prend ah tu peux être justement il t'a prend calibre là il prend l'usine il pète mal sous chauffeur ça et vraiment chauffeur il est Anderson. Chauffeur Anderson, Isaïe, Louko, lui prend plusieurs balles et il fait une première opération. Et pour le jeune balle, il n'y a pas de jeune ni, il fait une deuxième opération. Et dans la deuxième opération, il n'y a pas de jeune projectile là. Ça a eu les balles là. Auditeur, il faut une balle pour que nous comprenions bien. Ouais. Projectile, c'est du français. Donc, balle là, il n'y a pas de jeune ni dans la deuxième opération. Côté n'a pas les là, monsieur, toujours à petit soin, il est lancé homme. Donc, mais vraiment, côté bandit, ça a tout. Capral et. En trécaille, inspecteur de police axé Nenè, vraiment, il a le pillé tout ça, vandalisé tout ça, la calibre, côté de pas le temps. 9 calibres qui étaient ZAM qui appartenaient à Omega. Ah, oui, ZAM ça, policier a été retiré de Omega, au lieu de le poter au bail direction générale, direction logistique police là,
monsieur Kembe Zamza la Kaili. Information de bonne source Esaïe César. Justement, il y a 9 calibres Omega, il y a un Kai Bissipo, qui est inspecteur de police qui pourrait être. Quand il est qui pourrait être, tout le monde connaît son autre qui pourrait être Kafou. Donc, monsieur, il y a Zamza la Kaili. On a malentendu l'incompréhension, monsieur, pour qu'il était géré la situation. Là, l'altercation avec le chauffeur, ça va nous permettre que il tire le chauffeur. Heureusement pour le chauffeur, il n'est pas mouru. Ça qui peut déboucher que la police nationale a perdu 9 gros calibres. Ramonon, il nous attendait. La police a perdu 9 gros calibres. Loco. Au niveau Omega, qui était tout près Omega et 16. Et dans 16, c'est la CAI, monsieur. Ils ont vandalisé la CAI. Ils ont pris tout ça dans la CAI, fuseur. Flatskin n'y a gagné. Toutes salles de gens qu'on est dans la Kali, ils prennent tout, et ils vont déboucher sur 9 calibres qui appartenaient à Omega. Et dans le moment, on a parlé à les mêmes bandits au niveau commun. Ou rapport ça, m'a dit, Louko, dans le bagage ça, on dit, ouais, police, y'a plein, y'a pas de zam, la police pas voué zam, bah, ou de combien de manches longues, y'a un cas en policier ou inspecteur de police. Ouais. Ok, ou inspecteur de police. Où est-il? Où est-il? Et déposer que sous ça déjà dans matin débat. Où est-il? 9 manches longues. OK. Sur si policier qui était commissariat. Maintenant on gagne 9 manches longues. Pour qu'ils soient capable la cause, sur qui base? Pour qu'ils soient aller dans direction logistique police nationale là. Ou bien est-ce que 9 manches longues ça? C'est 9 manches longues partout. Exemple pas monsieur. Je viens d'où? Oui. Non, et pas Omega. Je viens d'où? Mais non, Omega, alors monsieur, c'est. Machine, pas machine, aux âmes qui étaient. L'autre information, Esaïe César, l'autre information au niveau route nationale numéro 2A, puisque nous n'avons toujours pas de circulation. Mais vous dire au niveau de la colline, dans la saline, vous dire au port, mais vous avez essayé, j'espère, Esaïe César, pour être capable vraiment de faire trafic, pour faire trafic au niveau de la saline, dans la colline, et justement, côté BI déplacé, backup et Bestap déplacé, ils ont vraiment vraiment bloqué passage quand notre capté de fait trafic au niveau et voie maritime dans Esaïe, qui permet que Bandi Pavine atterri en Léoga. Donc c'est comme ça la situation, donc la police bloquée pour que pas vraiment taxi qui fait au niveau de la colline. Et alors, Mais nous là, nous là. Expliquez-nous, non, transport, comment lié qu'on y a là? Qu'est-ce que je vais me poser? Oui. Comment transport y est actuellement? Comment lié? Et sous ce Carrefour, vous besoin à Léogane ou besoin à Tigouave pour plus loin? Encore une fois, Galette, Gladimien Galette, encore une fois, Samuel Jean-Baptiste, encore une fois, Loupo Désir, encore une fois, Esaïe César. Circulation au niveau national numéro 2A qui est pas normal, qui complètement impraticable puisque pas de machine qui passe. Nous avons essayé de passer à pied, mais je dis encore une fois, les gens prennent les gens là passer à pied, ils font au travail pour nous. Des fois, des femmes dans son belle femme, et ça a eu, les gars utilisent. Je dis, moi, c'est encore puisque c'est la même actualité. Donc, vraiment, pas de machine pas passer. De très tôt, je vois une image par Oulupo, je vais vous garder, et ça, je vais vous image par nous, pour nous garder côté vraiment. Et là où il y a blanche, quelques camionnettes, elles sont sorties dans la ville de Léogane, pour ne pas arriver à la colline ni camper là. Nous-mêmes, nous sommes sortis au niveau de Tigouave pour nous garder qui s'est gagné dans Léogane pour nous retourner. Mais il faut dire que vraiment, pas de circulation, vraiment, là, il est complètement impraticable. Tout le monde attend au niveau matin débat, pas de passage au niveau. Route nationale numéro 2A. Ah bien, bon entendeur, je pense que c'est tout juste. Voilà. Et merci Gary. Et donc saluer quelques amis que vous gagnez. Et dans la zone on nous dit la colline. Et nous connaissons Moun Kafou qui branche M. Maté Débat qui tout remettre en Moun Canada yo, Moun États-Unis yo, Gary. Nous saluer M. Jude et dans Léogane qui va j'aime battre des émissions ça. Et nous pas oublier saluer Stécie André Charles qui toujours branche émission ça. Et gagner Jackson Lali qui vraiment branché dans Niagouane, tout Niagouane branché, émission Matin Débat. Et c'est toujours un plaisir pour nous saluer tout le monde international là. Marjorie en France qui branché émission ça. Et ne pas oublier, pas saluer Jean-Max Télémac qui branché
dans New York City. C'est des gens qui vraiment retourné avec l'émission ça. Sans oublier Koukoun, qui grand monde a toujours branché l'émission Matin Débat au niveau international là. C'est ça. Prophète Walton qui branche l'émission Matin Débat. Prophète Walton du Canada. Et Prophète James Prophète. Et toute l'autre amie, Jean-Aubert Letellier qui branche l'émission Matin Débat. Jackie, Point du Jour. Et puis Roland Samedi. Et Louko Désir, il y a un autre monde qui est en ligne là. Et Woodley Jean-Baptiste et Louko qui ont mouvement la jeunesse. Woodley Jean-Baptiste, oui. Woodley, comment nous y est? Woodley Jean-Baptiste, comment nous y est? Woodley, comment nous y est? Oui, bonsoir, bonsoir Louko, bonsoir Pierre Martin, bonsoir les auditeurs. Et c'est un plaisir que je dis à nous là pour que nous parlions de l'activité que nous avons organisée au Caribé le 12 août, dans l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Donc, nous prenons le plaisir pour que nous partagions ça avec le grand public. Là. Et c'est un plaisir, donc nous songeons et présentiellement, et même si Cigar nous n'avons pas filmé ensemble. Comment nous y est? En forme, en forme. Napkembe et Cigar toujours là. Et red maintenant. Ok. Ok. Donc, activité, justement, ça à pied. 12 août, justement. Donc, Et son journée assez importante pour la jeunesse. Maintenant, activité à qui ça la pied? Et activité ça, son activité que pour que nous valoriser des jeunes, parce que nous c'est groupe Haitian Internet Production, c'est une institution qui est là pour que les découvrir des talents cachés et ensuite qui pour honorer tous des talents qui prouvent. Donc des talents cachés, c'est parce que nos gros problèmes territoire, nos gros problèmes de déplacement. Donc, nous n'avons pas de moyens qui sont accessibles pour que nous arrivions dans la collectivité territoriale, dans la section communale, pour que nous identifions des jeunes talents cachés. Mais nous avons eu l'occasion, vu que l'année année c'est une année qui de turbulence, plusieurs décennies que nous avons passé en Haïti, côté que tout le monde dans une situation difficile. Mais nous avons des jeunes qui sont vraiment remarquables durant l'année, côté que nous avons pris le soin pour que nous soyons capables d'honorer. C'est des personnalités que tout le monde connaît qui pas contesté. Nous avons un tableau qui gagne environ une douzaine de jeunes, femmes et garçons. Et tant que Frère Lixon ne zone pas fait monde, tant que Melchi Dumonet et jeunes et sélectionnés et haïtiennes. Donc nous gagnons Toyato qui a participé par contribution à l'éducation et ensemble des jeunes dans la communauté côté l'évolue, la pévolue. Et puis nous gagnons Dominique Dupuy, nous gagnons James Monaza, nous gagnons et jeune ministre et santé publique l'entour qui c'est Georges et fils Mignol. Et nous gagnons Johnny Ferdinand, nous gagnons des jeunes qui vraiment ont évolué dans le domaine, soit sur le plan de communication, nous gagnons Annie Alette tout, nous gagnons et Taïna. Taïna, c'est une jeune demoiselle qui sortit et lauréate dans le concours et OIF, Organisation internationale de la francophone. Donc, c'est un ensemble des jeunes qui pleins de potentialités que nous choisissons d'honorer dans l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août dans le Caribé de 10h à 1h. Donc, c'est un honneur pour que même qui fait partie des institutions et contribuer à valoriser des valeurs des jeunes potentiels qui pleins de potentialités et dans la communauté. Eh bien, maintenant, conditions de participation. Qui sont mon capable participer nous faire les non cadre réduit pour qui ça parce que nous pas capable ouvrir au grand public parce que c'est une occasion côté que il y a un peu le monde qui t'a bien aimé et présent pour que il y a aidé nous mettre valeur sur valeur jeune ça mais normalement nous faire sous réservation mais comme ça tout nous inviter au grand public là et presse parler et presse télévisée et spécialement en particulier en ligne pour que yo viennent aider nous couvrir activité ça. Donc, nous avons un numéro, c'est 44 63 45 48. Nous ouvrons avec n'importe qui qui veut faire un geste avec Monsa Otu. Et concentre, nous ouvrons avec Monsa qui t'a aimé et présent dans l'activité. Ça, malgré la place vraiment limitée, tellement il y a des demandes, tellement mon nous fait face au nom. Mais et nous n'avons pas raté l'occasion ça pour fidèle auditoire et Matin Débat pour que nous soyons présents dans l'activité. Ça, c'est l'une des raisons nous faire remarquer ça. Et à travers l'émission, ça, c'est un show que nous avons pile estime et en post-population qui est dans le groupe Haïtien Intellect là, vraiment apprécié que nous réservions une dizaine de places. Et par contre, est-ce que c'est Louko Désir ou bien staff là, toute équipe Matin Débat là, capable en charge pour ouvrir une liste de 10 points pour nous pour que vous capable participer avec nous. Eh bien, ok, maintenant suivi, au-delà suivi, qui suivi par le fait après la journée ça?
suivi qu'a fait nos gros thématiques qui très très intéressant. Nous avons un ambassadeur qui a présent avec nous, c'est l'ambassadeur Taïwan et qui représente Haïti. Et il y a présent avec nous. Et donc normalement, suivi en ce que nous avons un cahier de l'échange que nous avons avec un ensemble de personnalités qui présent avec nous. Allô? Non, mais oula, mais pas oui, oui, ok, voilà. Nous avons un cahier de l'échange que nous avons avec un ensemble de personnalités qui présent et capable de faire une pétition en quelque sorte pour que nous soyons capables de voir une copie de l'INUD. Voyons une copie par les Nations Unies et vu avec oui. Problématique jeune astral que nous avons confronté dans, surtout dans le pays d'Haïti. Donc normalement, c'est un bagaille qui paraît comme ça parce que nous avons des représentants des 10 départements géographiques du pays et il y a des gens qui ont suivi en Zoom et qui ont live sur plusieurs plateformes numériques ensemble avec les réseaux sociaux qui ont présent avec nous. Donc normalement, nous avons un numéro de contact comment que nous capable faire un fonds commun pour que nous fassions un travail colossal pour que nous rehausser là-bas. Parce que nous avons gardé le système politique public haïtien vraiment en dégradant, en arrière. Parce que, au lieu que nous commençons nos niveaux qui sont très élevés, mais normalement, nous, c'est pas que nous avons fait dans le pays. Donc, le fait que nous arrivions dans la phase ça, nous mettons en position de. C'est pas position de. Force armée d'Haïtien. Nous mettons en position de départ. Nous mettons en position de départ pour que nous mettions des compétences vraiment au service public, non système sociétal qui est vraiment crucial, qui est vraiment malade. Donc, ce travail, sa conviction pour changement, qu'a fait et qu'il continue à faire dans le pays. Ce travail, ça a mis à faire dans le pays. Ce travail, plusieurs d'autres sociétés, soit politiques et sociales, et sociétés civiles, économiques, c'est tout travail, ça, que je pense que ensemble des jeunes leaders, ça, ils vont entreprendre. Et donc, normalement, nous avons besoin de faire un vrai dialogue social, nous avons besoin de faire un vrai entente nationale, nous avons besoin de faire un vrai chita parler consciemment. Qui doit aboutir à une résolution qui pour dire Haïti d'abord, malgré toute indifférence, malgré toute tractation, malgré tout problème sociétal que nous avons confronté, mais nous connaissons nous tous pas égal ego et même Jésus te dit qu'il y a un problème pâle, même classe noire là, il y a un problème pâle, même classe Dieu blanc ou bien vert ou bien jaune ou bien rouge, il y a un problème pâle, donc nous-mêmes nous devons. Entendre nos problèmes, nous avons là, son crise haïtien lié. C'est haïtien qui pour entendre, pour retirer, jouer de coquin à faire, pour faire un vrai dialogue, pour que vous allez vers l'avant. Voilà, et notre ambition. Merci Bill. Merci Bill. Jean-Baptiste qui est là. Merci Bill. Quitte ton numéro de téléphone quand même, donc pour jeunes qui t'a aimé, donc vous même participé, donc non, je vous laisse dans l'activité ça. Voilà, c'est 44 63 45 48. Quittez-nous du loco, c'est nous pour remercier parce que ou c'est yon pionnier nan bâton et jeunesse là cap mais qui ou servir nous comme un bâton pour que nous faire organe pour faire un canal nous ça nous besoin de passer ou son canal ou son bâton pour que chaque fois que nous sentons nous léser nous sentons pourquoi nous ou longer nous la main pour que nous avancions. C'est que même ou chapeau babou pour travail qu'on fait avec toute équipe là bien tête à tout Isaïe César Galette avec tout staff matin débat faut que nous nous connaissons matin débat son institution il pas seulement loco mais avec tout l'autre staff technique vous pouvez ça oui là vous pouvez en pile l'amour, en pile respect, merci, c'est nous pour remercier pour sa contribution que vous baillez. Non seulement avec Jeep, avec toute équipe jeunesse, et y compris avec toute société en général. Nous saluons toute diaspora, tout qui voulait aider nous, accompagner nous, tout ça. C'est numéro A, c'est 44 63 45 40. Merci. Merci, Odin. Alors, madame, monsieur, il est très important, Esaü et bien Martin Galette. Alors, Martin Débat déjà sur deuxième génération, Martin Débat. Mm-hmm. Ok, première génération, là, oui. Déjà. Et oui. La guerre. Et première génération, ça allait. José Lexi. Ou quand tu dis plus bagaille, quand tu entres là, on dit plus bagaille. Voilà. Galette Galette. Samuel, ça m'a. Ouais, ça vient de côté. Quand tu dis plus bagaille. Martin Débat, son famille, son école, son université. Sauf que, pour tout gagner, Pierre Martin Dato, nous connaissons Esaïe César qui est toujours là. Ouais. Et nous avons droit de réponse, Louko, dans le studio. Nous gagnons Rolex et Rolex Pierre, son droit de réponse. Et hier, tu as une équipe qui t'est passée, sous question de la loterie.
pour te résoudre problème. Rolex sont gros accusés. Rolex Pierre, moi d'après information gain sont gros accusés. C'est responsable de syndicat qui crée un pile problème pour l'autre hein. Et monsieur gain doit réponse, monsieur ensemble avec nous là. Rolex, bonsoir. Et bonsoir Pierre Matet à toutes, bonsoir Loco, bonsoir à tout auditeur, toute auditrice et matin débat. Et matin c'est avec un pile plaisir pour nous capables passer dans le studio hein, pour nous capables premièrement porter des démentis formels à des déclarations que hier qui étaient faites par un couple qui était passé dans émission hein. Côté que couple ça qui trouver yo touché par rapport à des séances de dénonciation que CELE, qui c'est le syndicat des employés de la loterie de l'État haïtien, qui prend naissance déjà depuis 26 octobre 2020, qui gagne un parcours, qui gagne un ensemble de batailles que vous faites dans la loterie de l'État haïtien. Côté que dernier rapport ULCC mettait dehors sous le bien travail que vous fait dans la loterie de l'État haïtien, yo clair depuis la première page là, yo dit que tout travail yo fait, yo fait sous suite à dénonciation syndicat des employés de la loterie de Tahitien et dénonciation ça a été porté formellement le 29 janvier 2021 auprès de l'ULCC. Eh bien travail ça au que c'est le... avant d'aller plus loin. Oui oui. Est-ce qu'on a l'autre toujours ou on parle encore? Ou vous êtes employé ou on parle encore? Moi c'est employé l'autre et moi ensemble avec moi. Moi gain ensemble avec moi. Attendez l'autre. Pas employé l'autre et que on marcher lever monde sur l'autre. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a l'autre toujours? C'est un pile c'est un pile accusation que moi penser que nous même comme monde qui là pour encourager ça qu'a fait de positif ça monde qui prend responsabilité pour dénoncer monde eh bien nous même nous pas qu'à accepter no, actuellement moi c'est employé l'hôtel de l'État haïtien et moi ensemble avec moi la copie chèque dernier mois là mois juillet qui OK que moi saute touché dans l'hôtel de l'État haïtien alors que juillet là justement même gain copie chèque moi avec moi là parce que moi son employé qui depuis environ 4 ans il touche petit bail et touche petit bail loco qui depuis environ 4 ans OK me sont cadre dans institution OK me sont cadre dans institution il y en a qui fait plusieurs facultés dans institution qui dans pays qui dit tête li et bien l'a entre tête li dans démarche côté que un l'a et bien protéger ça qui puis vulnérable j'en li habitué faire dans institution hein? Et l'a dénoncer tout ça qui méritait dénoncer qu'a mal fait en dans institution hein? Hier deux moun yo t'ai parlé couple t'ai parlé mais malheureusement yo fait des attaques personnelles sans que yo pas démenti information que moi t'a bail et bien dans émission avant qui ça me dit moi t'ai dit que gagne un contrat qui signé entre l'autria et Natcom qui c'est un contrat qui renouvelé un premier contrat. Malheureusement, contrat ça, li fait pi bas prix que contracté là avant. L'enga de contrat ça, loterie de l'État haïtien a fait un déficit de $60,000 américains en dans contrat. Contrat ça, c'est un contrat qui te permet à ce que loterie aide de l'école dans pays à travers trois écoles. Par département, ça qui te fait 30 l'école dans tout pays. Hein? Si nous songez bien, on moun qui dans lycée Philippe Guerrier, dans Oka, il est capable de rappeler nous que l'autre yon avec accord ça, avec contrat ça, que le gagne avec Natcom. Qui est ce directeur de l'autre yon? Actuellement, c'est monsieur Luc Wanch qui directeur de l'autre yon. Qui assisté par plusieurs autres personnages qui n'entourage lui qui peut-être des fois pas fine et bien imbu de le c'est le question ça va aller quand on parle là on dit que son contrat qui fait un bataille son contrat que on partit l'argent calé à côté pas notre explication sur ça est-ce que le directeur à côté l'impliqué dans ça contrat celle là contrat Natcom là Natcom non ouais une réalité que me capable ba ou dans contrat moi gain avec moi là premier ébauche moi gain avec moi c'est pêché dans ça côté comme là passé
Est-ce que vous partez dans le combat qui a joué un directeur, mais vous partez dans le combat qui passe en battable? Moun pa wè, sa bagala yé exactement. Gen en pile suspicion nan sa, nous même comme syndicat, nous dénoncer parce que l'hypothé préjudice non seulement à employé mais également à société. Tout à l'heure, moi sou tap expliquer combien que des jeunes écoles qui te kon bénéficier de contrat ça, gen 30 l'école qui te kon joine salle informatique avec internet gratis qui pas joine ni employé l'autre yo qui en dans contrat ça avant, te gen accès pour yo gagner des plans sous téléphone, yo gen un groupe d'employés qui tap gagner des téléphones qui permettent à ce que yo communiquer pour yo faire travail là. Malheureusement, tout ça yo sorti dans contrat qui était signé d'abord pour 3 ans. Malheureusement, pendant nouvelle administration ça là, yo vinn signé pour 10 ans et ceci li signé pour 10 ans et li capable renouveler sans que pas de aucun chita qui fait encore. Comme oui, non. Ah oui, ah oui. Ah oui, on va comprendre comme si l'autre a pas un chef en tête li. L'autre a gagne une tête li, il va gagne à la tête li. L'autre a gagne monde. Et ben finance? Finance mais malheureusement non seulement finance pas te touché de signature contrat et c'est un contrat on se godouit le coup. Et c'est un contrat qui pas gagne aval cours supérieur des comptes. Olex, contrat parler là. C'est lui. Bah elle a mieux lui. Olex, contre on parle là, c'est Luc Wansh qui signe avec Natcom. C'est Luc Wansh qui signe avec Natcom, oui. D'accord. Luco Naptendo. Luc Wansh avec Natcom qui signe. Finance par ministère finance pas plié. Gros déclaration parce que d'abord faut me dire que le Trian c'est une institution qui un autonome certes mais également li sous tutelle ministère de finance et ministre finance là c'est présidente et bien conseil d'administration Lotria. Donc ces grandes décisions qui gagnent pour avec qui a engagé Lotria dans 10 ans, li pa ka fait sans que et bien ministère finance li pa avisé. Malheureusement, ministère finance non seulement pas avisé et ceci m'ta souhaité à ce que gagne des journalistes et m'ta souhaité à ce que IGF qui c'est inspection générale des finances ULCC yo mené des enquêtes à travers ça et y a clair et montré que un ministère finance pas été accepté et deux c'est un contrat qui pas joindre et bien aval la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. OK, ça c'est un premier bagage. Deuxième bagage. Ou accusé ou c'est une nan moun qui marche dans tout département tout partout prend l'argent. Réponds-nous ça. Rapidement pour répondre pour ça qui est la question. Madame Florestal, est-ce le courant de contrat ça on parler là? Madame Florestal pas au courant de contrat et même Jean Touli pas au courant de ensemble. Oui, même Jean Touli pas au courant de ensemble nomination qu'a fait actuellement là avec révocation en dans l'autorité de l'État haïtien et qu'a fait en dehors norme ensemble avec principio. Gè ensemble de coordonnateurs départemental qui gagne environ 20 mois que yo pa paye là, c'est ouais avis même gagne avis là, yo ouais avis sur réseaux sociaux côté que dit que c'est tel l'autre monde qui responsable Lotria dans département yo. Alors que coordonnateur et employé ça yo régulièrement nommé, yo gagne des lettres nan main yo te commencé payer yo pas fin payer yo. À côté ça, m'a rappelé que ministère finance dans mois décembre qui saute passé a te dans cadre subvention que t'a ba en pile institution, t'es subventionné Lotria et que li te ba moyen pour te payer tout employé Lotria pendant 8 mois, pour 8 mois. Malheureusement, yo payé seulement employé qui nan bureau central yo et tout employé qui régulièrement nommé nan direction départementale yo, et bien comme ça yo fait l'autre route. Oh, comme ça yo fait l'autre route. Oui mais c'est vous même qui accusez. Oui, cap marché prend là et tout partout dans le département. Mais
pendant yo accusé justement deux moun sa yo te mandaté pour ça yo te mandaté pour ça et nan yon et sa yo joine nan mandat pour ça et bien monsieur ouais qui t'a parlé là li à peine yo à peine nommé li directeur planification en dans l'autre juste pour li capable prendre responsabilité ça prend devant la presse pour li vinn accuser mais maintenant accuser yon moun ki paté moun nan pa administrateur moun nan pa directeur général l'autre li pa comptable moi pa jouer yon nan rôle sa yo nan ki sens qu'on y a là pour ta va accuser comme moun ki responsable que l'autre pa marché ça c'est totalement honorable et deuxièmement si ça t'a va arriver moun sa alors que moun sa nan radio a dénoncer nous et bien fait ce que de droit. Si moun sa effectivement question rapide. Est-ce que tout soit bien là parce que là on a dénoncé action que administration loterie a actuellement a fait qui pas bon et il a versé dans la corruption on parlait de contrat à son gros bagarre ou dit là son gros déclaration qu'on fait. Un pilote contrat encore louco. Est-ce que ou même avec équipe l'autre employé nous pas fait aucune démarche auprès de l'ULCC ou venir font audit pour nous garder sa capacité dans l'autrie parce que soit dit là c'est débat qui grave et Luc Wanch qui c'est directeur général de l'autrie si soit dit là c'est débat qui confirmé par contre quel gens pour Luc Wanch parle en prison bah bon c'est rien bagaille deuxième Abdullah deuxième question à poser c'est que ou toujours employé l'autrie OK. Maintenant, comment l'autre employé ouais démarche pour là? Qui moun gavo? Démarche ça, c'est une démarche qui portée par syndicat des employés de la loterie de l'État haïtien. D'ailleurs, syndicat a écrit déjà plusieurs notes de dénonciation et déjà adressé li à ULCC qui c'est une institution de contrôle de corruption. Qui c'est une institution de contrôle de corruption et qui habitué fait suite à demande loterie déjà et scellé déjà nous rappeler et l'inan rapport ULCC hein, dernier rapport que vous fait pour te dénoncer déjà des actes de corruption gain dans loterie hein, c'était sous demande scellé OK l'inan tête rapport hein, et encore scellé fait des massa syndicat écrit ULCC même Jean syndicat pral écrit plusieurs autres institutions et eh bien qui là par exemple IGF pour que yo capable contrôler ensemble de dérives administratives et gabji sa yo kap fait dans administration surtout en dans loterie de l'État haïtien. Moi voulais parler également. Moi voulais parler également de plusieurs autres contrats. Fois dernière, moi t'ai passé dans l'émission. On va parler de tout nous parce que nous gon l'autre rubrique là rapide. Moi connais mais caillon pile. Faut payer à connait, c'est en pile cas de corruption. Actuellement là, c'est celle Luc Wans, c'est celle directeur qui est en chita la Kali, li prend un mascotte dans l'autre sous titre que lycée yon ancien directeur ça le fait li prend un masque li prend environ 2 millions goud sous titre que lycée ancien directeur et ceci yo capable vérifier ça dans administration c'est l'argent qui pas prend sous OK c'est pas li pas dit que le poil dans mission li pas dit que li prend parce que li sont ancien directeur et nous même dans celle c'est une raison qu'il faut ouais des massa actuellement côté que eh bien Luc Wanch a mandaté de trois grands employés OK pour être capable camper en face travail scellé qui s'est dénoncé tout ça qui dérangeait ni ses employés mais également ni société hein. Comment comprendre tout le monde qu'on vive ça les loteries t'a fait l'auto maman l'auto qui t'a bail des millionnaires l'auto million. OK, nous capable rappeler nous de ça. Nous capable rappeler moun qui trouvé dans Miragwan, capable rappeler que lycée privé qui dans Miragwan, lycée Tigouave, lycée Toussaint là, c'est l'autre là l'autre jour avant Wanch vini qui installé yon salle informatique à travers contrat qu'il te gagne ensemble avec Natcom là et qui équipé li qui ba internet et autres. Jodi à la population pas gain accès ça.
population n'a pas gain accès ça et nous-mêmes nous pas accepter et c'est rôle nous comme avant-gardiste parce que pas oublier nous non institution qui c'est une rare institution de perception de taxes dans pays. C'est bien malheureux ou bien heureusement fois dernière t'es passé dans émission à côté que tu as de l'autre contrat qui l'autre contrat. Gen yon kontrat mwen te pale de li la fwa denye kote ke mwen te pale de yon sistem ki se sistem de gestion de je de hasard ki ta dwe mette sou pie e ke se yon kontrat ke se yon sistem ke mwen menm personnellement mwen inisye an dan institution ansanm avèk dout mam syndika nou pale de li e nou te di ke ou pa ka ap fonksyone aktuellement pou bagon sistem la dan. Malheureusement nou remarke aktuellement la sel pou sistem sa gen plusieurs gen yon 3 kontrat ki siyen an dan loti de l'état haïtien. Donc se yon bagay ki pral mete n'importe qui oui seulement pour système ça seulement pour système là alors que normalement sous mon système côté que ou doit gagner un bon contrôle sous lui généralement et normalement ou doit gagner une institution OK de confiance qui là pour capable gérer système là de commun accord ensemble avec les techniciens de la loterie de l'état haïtien. Donc c'est un pour nous mêmes c'est un piège qui déjà attend à n'importe qui est-ce qui pourra venir diriger institution hein? Et c'est une raison qui fait que syndicat et loterie de l'état haïtien syndicat des employés de la loterie de l'état haïtien mandé à CPA et également à premier ministre là pour yo prendre 100 fois yo pour yo faire choix de un technicien en dans administration publique là qui connaît plus ou moins sa administration veut dire qui connaît sa et bien question mais... technique yo veut dire pour yo capable venir diriger loterie nous pas faire exclusion nous pas faire exception mais par contre voilà. Nous seulement exiger à ce que c'est un technicien qui bien formé qui connaît système là qui capable vienne permettre à ce que l'état eh bien li plus ou moins recouvri environ 5 à 6 milliards de goudes que li gagne dans déficit seulement dans loterie parce que la loterie de l'état haïtien c'est une rare institution de perception de taxes que l'état a gagné après la douane après la PN et autres eh bien la loterie de l'état haïtien s'est ramassé li là pour ramasser l'argent pour payer pour renverser en dans cette fiscale là et permettre à ce que l'état joigne moyen pour li capable engager 8000 employés ça et pour li capable engager l'autre infrastructure en dans pays. Rolex merci et nous merci beaucoup. Et là, merci, c'est un plaisir. Moi, t'es content avec. Rendez-vous international là où qu'on est, faut que nous maintenir. Rendez-vous. Oui, alors ouais. avant nous aller dans international là, on a terminé avec ça qui vient comme dernier point. Donc sur table là, rapidement ou bien n'a gardé le domaine, c'est ça qui vient en rapport avec position là voilà, comme là voilà qui mande qui l'a gardé, qui l'a gardé le logo. Comme si là voilà, on a fait sécurité même. Comme si la valance prend le pouvoir. Ok, la valance. Okay. Le parti Fomi la valance inquiète de l'insécurité en Haïti et presse les autorités à prendre leurs responsabilités. C'est comme si nous regardons que la valance prend le pouvoir, comme si la valance pas une responsabilité dans ce qui a passé dans le pays. Hein. La valance pas une responsabilité dans la crise haïtienne. Qu'on a pas comment faire ça. Non mais. Ok. Ajouter à ce dia. Et Louko Désir, représentant famille Lavalas là qui n'a pouvoir, qui c'est Leslie Voltaire. Monsieur te dit lui-même avant pour descendre en bas et faut que sécurité avant pour descendre en bas, faut que sécurité qui établit. Nous voilà. Mais son bagage comme ta ça, son bagage est toyboui net, bagage comme gali match total lui. Mais dit lui-même comme président avant pour descendre en bas, les conditions le poser. C'est pour y rétablir sécurité en bas comme si non, même comme pas, 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 pas